clairement aujourd'hui, je suis venu ici, je ne suis pas venu parce que c'est la personne de Roch Marc-Vincent Caboret qui m'intéresse, mais moi je suis venu ici aujourd'hui parce que je refuse qu'on parle de cette impunité qu'on veut nous imposer à tout un peuple, une réconciliation qu'on veut imposer à un peuple. Sans justice, je refuse cela. Je ne peux pas accepter que des gens hier qui ont commis des crimes, qui ont tué des gens, qui ont pillé ce pays-là, qu'ils reviennent aujourd'hui dans l'impunité des gens que la justice burkinabé a condamnés à un moment donné, qu'ils vont revenir aujourd'hui. Comme quoi il faut, on parle de la réconciliation, une réconciliation que nous ne comprenons pas, on ne sait pas. Il faut réconcilier le peuple burkinabé avec qui, on ne sait pas qui a fait quoi à qui et que nous ne savons pas. Non, nous refusons cela. Et donc c'est pour ça que moi je me présente ici aujourd'hui et je dis si Roch Marc-Vincent Caboret a toujours quand même un peu de dignité, normalement il doit quand même refuser de se rendre à cette rencontre. Et donc je suis devant cette porte et je dis, il ne doit pas bouger, s'il a un minimum de dignité, il doit quand même à un moment donné respecter le choix du peuple burkinabé. Nous nous réclamons la justice, parce que c'est dans la justice que nous retrouvons toujours la paix. Nous ne retrouvons jamais la paix dans la justice. Nous ne retrouvons jamais la justice dans la paix. Parce que sans justice, il n'y aura jamais de la paix.